Hey! Je suis de retour pour plus de Monster Hunter Freedom Unit en cette journée d'Halloween qui n'est plus Halloween si vous êtes en France parce que je vais l'uploader trop tard. Ouh! Ok, on est le 1er novembre si c'est le cas. Mais là, je m'en vais dans l'avenir. Ouh, j'aime ça aller dans l'avenir. Mais aujourd'hui, on tue un Lao Shang Long. Je suis en train de parler vite comme ça. Pas de bon sens. En tout cas, en espérant avoir placé mon micro comme disant, sinon je vais le baisser un petit peu. Mais faut pas que je me fie à cette maudite barre verte là. Et ça a bien l'air que je parle vite comme ça. Pas de bon sens. Et j'ai pris l'armure de Lao Shang Long aussi pour tuer un Lao Shang Long parce que ça fait du sens. Les talents qu'il y a dessus, c'est garde plus 1 et. Maudit, j'oublie l'autre. Oh! C'est qu'on récupère notre vie plus vite. L'arme que j'ai pris, c'est une lance, yes, parce que moi je recommande une lance pour tuer un Lao Shang Long. Non, je recommande vraiment n'importe quoi, pourvu que vous frappez son point faible. C'est très important de frapper son point faible à lui, si vous voulez le tuer, si vous voulez qu'il s'enfuit, ça c'est une autre affaire que je vais expliquer plus tard, parce qu'il y a des millions d'affaires, expliquer sans bien que ça dure 25 minutes et plus. Oh my god, que je vais parler longtemps, puis je vais parler beaucoup si je continue à parler vite demain. Fait qu'on va parler plus lentement puis plus plat. Non, mais... Comment je commence une quête contre le Lao Shang Long? Ben, je place des bombes partout, c'est ça ma tactique. Non, c'est parce que ça me tentait de placer des bombes, c'est pas nécessaire. Normalement, je place même pas de bombes pour faire cette quête-là. Mais là, je me suis dit, vu que j'en ai juste, faut que je place des bombes partout. Et téléportation, oui. J'ai coupé une partie pour pas la partie qu'on attendait à rien faire. Fait que même à ça, il reste encore du rien à faire là. Hey, c'est bien là que j'ai mes écouteurs, ses oreilles. Ouh! Mais les gars, fait que. Une bombe, puis quand il arrive où ça fasse, il est supposé d'avoir une animation de douleur. Mais sauf que je pense que je l'ai pas eu avec les premières bombes, parce que ça se peut aussi qu'il l'ait pas. Mais les bombes, comme je l'ai déjà répété, ils passent au travail, ils font toujours le même nombre de dommages fixes, et ça, la défense d'un monstre n'a aucune importance. Fac! C'est toujours bien à utiliser avec des monstres qui ont beaucoup de défense. Comme je l'ai mentionné des millions de fois. Fait que le point faible de les éléments que là où Shang Long est faible a... C'est l'élément de dragon. Je sais pas pourquoi, mais il semble que l'élément de dragon, tous les monstres sont faibles à ce moment-là. Et l'élément de feu. Faut croire que parce qu'il est rouge, il a peur du feu. Mais les gars, qu'est-ce qu'on peut briser sur Lao Shang Long? Très bonne question. On peut briser sa face. On peut briser son dos aussi, des parties de son dos. Je pense que c'est tout, en fait. Ouais, c'est tout. Puis de toute façon, je pense que... Ah ben, faut briser sa face pour avoir des cornes, mais je suis pas sûr. Fait que... pas vraiment nécessaire. Je sais qu'on peut aller dépasser son dos, comme je vais le montrer tantôt. Son point faible au Lao Shang Long, c'est un des seuls monstres que c'est très très important si vous voulez passer la quête. Ben, ça dépend avec quelles armes que vous utilisez, évidemment. Si vous utilisez une arme surpuissante, cette arme-là n'est pas surpuissante, celle que j'utilise. C'est une arme que je voulais m'assurer de le tuer sans prendre tout le temps. Fait que je savais qu'il me reste que ça. La fois, si vous avez une arme normale, comme si j'aurais la lance, cette lance-là, juste un niveau plus bas, ben, je l'aurais réussi cette quête-là. Ah, mais faut pas que je spoil la fin, maudit salaud. Ah, les gars, avec une lance, c'est facile de rester où son ventre, parce que son point faible, c'est son ventre, comme que je peux voir, que je frappe. Puis c'est là, faut que tu le frappes pour y faire vraiment beaucoup de dommages. Parce que si tu frappes sa face, il y a des grandes chances qu'il s'enfuit à la place de mourir. Fait que ça, c'est si on veut le tuer. Même à ça, je pense que ça se peut qu'il s'enfuit même pas. Si vous visez sa face, parce que sa face, c'est bien fait, c'est sa face. Mais on dirait que sa face, c'est son point faible. Je sais pas pourquoi. Ben, à cause qu'elle est toute seule en avant, là, elle n'est pas rapport là. Puis on dirait une grosse boule qui dit frappe-moi la face. Mais non, c'est son ventre, son point faible. Évidemment, parce que c'est un petit peu plus dur à aller frapper là, fait que sa face, c'est pas vraiment un point faible non plus. Parce que c'est vraiment juste son ventre. Ses pattes sont résistantes. Mais si vous êtes en équipe, en ligne, quand vous chassez d'autres avec d'autres personnes, ben c'est bien, mettons. Ben, c'est bien. Ça dépend. Ça dépend. Faut du jugement. Mais regarde, si on frappe ses pattes, une patte vraiment souvent, avec des doubles épées par exemple, c'est toujours la meilleure arme pour faire tomber des monstres. Ben, vous pouvez le faire tomber, évidemment, puis ça va laisser beaucoup de temps gratuit sans qu'il bouge. Fait que si vous avez de la misère aussi, dans le fond, non, c'est pas une bonne idée, non. Je le dirai pas, qu'est-ce que je dis. Parce que le but, dans le fond, c'est de faire beaucoup de dommages à lui. C'est pas de... Si vous avez de la misère à résister au fort, je le dirai tantôt comment que... Des bonnes tactiques rendues là, moi. Ben, ah, ben, dans le fond, dans les zones 2, 3 et 4, faut que vous frappez son ventre absolument bon. On va dire ça de même. Frappez son ventre. Puis vous devriez être bon pour passer la quête. Pas 2, 3, 4.
Une potion antique, c'est toujours bien. Et quand il est rendu en dessous d'un pont, tu peux aller sur le pont pour qu'il se lève. Ou tu pourrais attendre qu'il passe un petit peu plus loin pour pas qu'il se lève. Si tu te, synchronises assez bien, tu devrais même pas... Pourquoi je tue? Vous êtes plusieurs. Et je... Parce que je m'imagine que j'ai un ami imaginaire à côté de moi, c'est pour ça. Bonjour, toi. Penche-toi, oui. Ouf. Ok, maintenant que... Oh, et les roches qui tombent du ciel font du dommage. Oh, là-haut, Shanglong aussi. Il est pas invincible aux roches. Fait que ça, il fait du dommage. Fait que vous pouvez toujours vous réconforter si vous avez peur. Si vous faites pas de dommage ici. Ouh! J'ai pas tombé. Et je le savais, oui, ça m'arrive tout le temps. Je fais exprès de me faire frapper à cette place-là parce que ça ne te fait pas tomber. Des fois, je me fais tomber, là, mais c'est parce que je suis innocent de même. Bon. Là, je pensais que j'allais tomber, honnêtement, quand il m'a frappé, mais je me suis dit, j'étais loin, pourtant, j'étais pas supposé tomber, mais j'ai pas tombé, fait que, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, quand il s'est remis à marcher de même, ben, t'attends, en fond, c'est une partie d'attente. Il fait juste marcher comme un innocent, ben lentement, pour te faire souffrir. Vous pouvez aller vous faire un chocolat chaud, vu que c'est l'hiver qui arrive. Il y a eu des flocons de neige très récemment, je sais pas si je l'avais déjà mentionné, je pense que oui, mais en tout cas, fait que quand cette partie-là, c'est juste cette partie-là qu'on peut sauter dessus, parce qu'on, oui, on peut sauter sur son dos, c'est cette partie-là, traite là, paf, je me suis fait pogner par une roche. Si vous êtes pas chanceux comme moi, ben, vous allez vous faire pogner par une roche, mais si vous êtes, normal dans le fond, puis que vous réussissez à aller sur son dos, ben, je vais le montrer tantôt, vous pouvez mettre la bombe anti-dragon sur son dos. Et vous pouvez dépecer aussi pour avoir des beaucoup de points pour la ferme aussi. C'est très bien pour la ferme. Qu'est-ce qu'il donne? De l'herbe de dragon, je pense qu'il donne. Qui donne 1000 points pour la ferme. Fait que c'est quand même assez bon. Et ça donne de l'argent aussi. 1000 piastres. que si j'imagine qu'en argent japonais, ça équivalerait à 10 piastres. Fait que 10 dollars ou 10 euros. Prenez-le comme vous voulez. Ça vaut la même chose, les japonais. De toute façon, ça nous coûte toujours plus cher si on paye en japonais, en yens. Ah, ça coûte cher en maudit si on achète quelque chose au Japon. Directement, le convertir en n'importe quoi, en n'importe quoi. Bon, en tout cas, on n'en s'en va pas dans l'économie, on s'en va pas dans l'argent. On s'en fout de l'argent. Oh, ce qui m'amène à une autre affaire. Ben, en tout cas. Oh, non, non, on arrive à la partie de la queue. Oui, c'est la partie la plus intéressante, la queue. À place de devenir fou. Dans le fond, tu frappes tout le temps le son ventre de même, c'est très intéressant. J'ai envie de me perdre ma voix déjà, c'est pas bien, on est juste 9 minutes dans la vidéo. 9 minutes in the video. En tout cas, on arrive où la queue. C'est à cause que beaucoup de monde qui meurt où la queue après beaucoup d'expériences que j'ai eues en jouant avec d'autres personnes. Mais elle est très simple à deviner comment qu'elle agit sa queue dans le fond. Parce qu'elle fait beaucoup de dommages, puis elle t'envoie vers l'arrière. Fait que tu peux facilement te faire comboer par la queue puis mourir. Mais. Dans le fond, tu regardes aussi comment qu'elle marche. Mettons qu'elle commence au milieu sa queue, elle s'en va vers la droite. Elle revient au milieu, elle reste là pendant une seconde peut-être, puis elle s'en va de l'autre bord à gauche. Après ça, ça revient au milieu. Une seconde au milieu, puis après ça à droite, et etc., etc. Et je parle comme de droite-gauche comme ça serait de devant, de là-haut. Mais c'est simple à comprendre. Il faut juste regarder. En fait, vous tournez la caméra vers la queue, vous regardez quel bord qu'elle est allée. Puis tu y vas quand elle est à droite. Ou quand elle vient d'aller vers la gauche. Oui, je suis très bon pour prononcer les mots. Et je mets des bombes encore. Yes, des bombes! Fait que, si, mettons que sa queue s'en va vers la gauche, elle vient d'aller vers la gauche, puis elle s'en retourne au milieu. Ben là, c'est là le temps de courir. Puis si vous voyez que la queue s'en revient... Ben, vous faites un saut de Superman et vous allez résister. C'est pas trop compliqué, c'est juste la pratique dans le fond. Parce qu'il y a beaucoup de monde, j'ai vu extrêmement beaucoup de monde mourir à la queue de Lao Shenlong. Elle est très puissante, cette queue. Et je me mets à parler bizarrement. Oh, il y a des bonbons ici. J'ai remarqué qu'il y avait des bonbons ici. Non, faut pas que je m'y sorte. Je me mettrai pas à manger en vidéo, mais malgré que ça dure assez longtemps, fait qu'il faudrait que je mange. Mais, oh, les gars, une autre bombe dans la face. Oh, oui. À faire de l'argent, oui, je sais pas si c'est pour tout le monde, probablement, mais YouTube est rendu possible, c'est rendu possible avec YouTube de faire de la monnaie, si on veut, de l'argent, en mettant des publicités sur nos vidéos. C'était possible avant, mais il fallait être partenaire pour ça, mais maintenant, je pense qu'il donne accessible à tout le monde. Puis, il arrête pas de le spammer partout, je le vois vraiment partout, puis ça me...
Il te le marque, il met un petit lien. Get started now! Pour utiliser AdSense pour mettre des publicités dans les vidéos. Moi, j'en mets pas dans mes vidéos parce que, honnêtement, ça me rapporterait vraiment pas grand chose. On est juste quand même 100 vues par vidéo environ. Mais ça vaut vraiment pas la peine de vous mettre des publicités d'en face juste pour je sais même pas comment ça me donnerait. Ça vaut pas la peine, je trouve. Puis, j'ai vraiment pas besoin de cet argent-là, si on veut. Mais, en tout cas, c'est juste que ça me tente pas de vous mettre de la publicité d'en face dans les vidéos, dans mes vidéos. Ça servirait pas grand-chose, de toute façon. Fait que je veux pas vous écœurer avec ça. Puis, même moi, ça m'écœure, par exemple. Moi, ça m'écœurerait de voir ça, parce que je regarde mes vidéos aussi avant pour voir s'il y aurait pas quelque chose qui buggerait dedans. C'est sûr que je les regarde pas tout. Parce que comme cette vidéo-là, je la regarderai probablement pas rendue sur YouTube. Peut-être juste le début pour voir si tout est bien, si la qualité est bien correcte. Mais à part ça, je la regarde pas. Parce que 25 minutes de moi qui parle, je m'entends toujours parler moi. Non, non. Faut que j'enlève ces bonbons-là de ma face. Qu'est-ce que je disais maintenant? Je disais que j'accrochais mon micro. Non, mais que me mettre une publicité dans ma face avant de pouvoir regarder une vidéo, je sais pas comment qu'il mettrait. Peut-être qu'il mettrait juste en bas et que ça apparaîtrait. Mais il doit en avoir qui serait avant la vidéo aussi, ou peut-être en haut à droite. Il mettrait ça partout, puis ça serait bien fatigant. Fait que non pour ça. Et c'est marqué que les vidéos de jeux vidéo ne marchent pas pour le programme. Mais on sait bien que c'est les vidéos qui sont pas commentés, parce que à ce qui paraît, c'est pas la même affaire quand on commente une vidéo, parce que c'est plus nous autres, tandis que si c'est juste une vidéo de personnes qui parlent puis du jeu vidéo, c'est comme si on volerait, ça bien là. Ben pas vraiment, c'est pas comme si ils voleraient. Bon, les gars, exer votre arme, oui, pour là où on va revenir à Monster Hunter maintenant, mais en tout cas, exer l'arme quand que le bleu, là, la tranche en bleu, ça, comme là, comme j'utilisais, ça vaut pas vraiment la peine. De toute façon, c'est Lao Shanglong, là, c'est le premier là qu'on tue. Il peut être facilement tué avec des armes avec du tranchant vert. Fait que, parce qu'il y a des armes qui ont le tranchant bleu, même si t'es pas rendu dans les quêtes à high rank, rang haut. Je sais pas si il a vraiment un terme francophone pour ça, mais les gars. Stamina, apportez-vous des steaks dans cette quête-là, parce que je pense que... Moi, j'ai utilisé une potion antique pour mettre la stamina, mais c'est sûr que tu es obligé d'utiliser un steak à un moment donné. À moins que ça vous dérange pas, vous avez une arme qui n'utilise pas vraiment la stamina, genre quoi? La Gunland, ça ne l'utilise pas vraiment contre le Lao, on peut dire, parce que tu n'as pas vraiment besoin de bloquer, sauf que... Ouais, non, elle l'utilise pas vraiment. Sword and Shield non plus. La double épée, oui, ça l'utilise en masse. Fusil arbalète non plus, pas besoin. Vraiment pas besoin de t'apporter rien. Je sais pas s'il a... je sais plus comment ça s'appelle le talent dans ce Monster Hunter-là. Starving Wolf, en anglais que ça s'appelle. C'est-à-dire que quand t'es dans le rouge, en stamina, ben t'es plus fort, dans le fond. Comme si t'avais Adrenaline plus 2. Je sais pas s'il est dans Freedom Unite. Est-ce que tu pourrais vraiment combiner Adrenaline plus 2 puis Starving Wolf? Puis ça te donne des dommages assez massifs. Je sais que tout le monde fait ça dans Frontier, sauf que... dans Frontier, c'est vrai, j'ai capturé un Shogun Xehanator, yes! Mais c'est pas pareil. Parce qu'on peut faire des PVP dans Frontier, puis... je l'ai appelé CNI. Mais en tout cas, on peut se battre avec des monstres contre des monstres, dans le fond. Sauf que j'arrête pas de perdre, évidemment, parce que c'est contre des Japonais. Les Japonais sont-tu pros dans les jeux vidéo? Ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas... C'est juste ça que je voulais dire. Pourquoi je parle de Frontier déjà? C'est quoi que je disais avant? Je divague facilement, moi, ça n'a aucun bon sens. Bon, les gars, on est rendu à 4. Faites la même maudite affaire que 2 puis 3. C'est pas grand changement, c'est toujours la même maudite affaire. Puis, sauf que si vous avez échoué comme moi, ou si vous voulez la redépecer son dos, ben, vous pouvez le faire à 4. Moi, j'aime pas ça le faire à 3. Je pense, je sais pas si on peut, parce que je pense. Il y a tellement de variations de Monster Hunter que je me perds à toutes. Mais en tout cas, dans 3, il y a supposément un pont brisé à la place d'un pont complet. Puis je me dis que c'est plus risqué d'essayer de sauter sur son dos, fait que ça vaut pas vraiment la peine. Fait que je le fais à 4, normalement, quand je me fais massacrer par une roche à 2, parce que ça m'arrive assez fréquemment. Parce que c'était pas vraiment extrêmement de la malchance, c'était juste un petit peu de malchance.
À moins que ça ait vraiment extrêmement de malchance, ça m'arrive souvent. Mais ça m'arrive extrêmement souvent. Bon, de me faire massacrer par la roche. Et j'ai vraiment un petit bruit de fond. À chaque fois que mon personnage fait yeah! Je l'entends, mais j'entends rien d'autre parce que j'ai pas monté mon son. Parce que ces écouteurs-là sont vraiment faibles. C'est pour ça que j'ai dit « Ah, j'ai des écouteurs, c'est les arrêts tantôt. » Parce que je pensais que je n'avais pas. Et mon écouteur... mon micro rendu bizarrement sur mon aimant, les gars. En tout cas, dans le fond, là-haut, Shenlong, si vous voulez le ralentir, vous pouvez frapper sa tête pour le ralentir pendant 3 secondes, peut-être. Il va se stopper puis il va souffrir. Puis c'est parce que je dis ça parce que c'est la tête. T'as besoin de faire moins de dommages pour qu'il fasse son animation de douleur, qu'il fasse ouh. Fait que c'est pour ça, fait que tu peux le faire plus souvent, tandis que ou tu peux frapper aussi ses pattes, mais ça c'est vraiment, ses pattes sont encore plus résistantes que sa taille, c'est pour ça, ça fait pas beaucoup de dommages, ça vaut pas vraiment la peine. Mais qu'est-ce que je voulais dire dans le fond comme stratégie, dans le fond, frapper son ventre 2, 3, 4, puis si vous voulez juste qu'il s'enfuit, vous voulez pas qu'il détruise le fort non plus, parce que c'est personne veut qu'il détruise le fort. Frapper sa tête dans la zone 5 le plus possible. Ou vous pouvez frapper sa tête assez sans le faire qu'il fasse son animation de douleur. Juste un peu avant qu'il le fasse, dans le fond. Faut que vous ayez un petit peu de. Faut que vous prévoyez qu'il le fasse. Mettons, vous donnez 10 coups là. Penser qu'au 12e coup va capoter, fait que tu donnes un 11e coup, puis là t'espères que ton 12e coup, parce que c'est pour stopper une attaque dans le fond, vous pouvez le frapper pour stopper une attaque, pour pas qu'il détruise le fort, fait que c'est juste ça que je veux dire, je l'ai pas vraiment démontré parce que je n'avais pas de besoin avec cette arme là, c'est vraiment si vous utilisez une arme moins forte, qui, mais dans le fond aussi, si vous avez une arme plus forte, il va se rendre au fort plus rapidement, parce que il va être frustré plus souvent, fait qu'il va avancer plus vite. Parce que quand il est frustré, il s'en va plus vite. Fait que, dans le fond, s'il se rend assez vite, comme vous pouvez utiliser ma vidéo comme. Une idée, combien de temps ça m'a pris pour qu'il se rende à 5. S'il se rend aussi vite ou un petit peu plus lentement, ben, ça veut dire que vous allez le faire enfuir. Parce que moi, autant qu'il se rend là, il s'enfuit. Là. Je pense qu'il était à 10% de sa vie. Il s'enfuit à 15 ou 10% de sa vie. Je m'en rappelle plus trop des pourcents. Je m'en rappelle jamais des pourcents avant le gars. Si vous pouvez pas le tuer à 2, 3, 1, 2, 3, 4, vous pouvez pas le tuer dans ces zones-là. C'est impossible parce que sa vie, elle arrête de baisser. Aussitôt que 10%, 15, 20, je sais pas. Un de ces pourcentages-là. Puis il s'enfuit justement à ces pourcentages-là. Fait que n'ayez pas peur de le frapper, évidemment. Mais. Fait que c'est ça, je pense bien. Fait qu'ici, on a refait ça et on peut faire salut, salut. Là, ça me punk pas, évidemment, parce que j'étais trop loin. Cette attaque-là, elle sert vraiment à rien, si on veut. Elle sert à faire peur aux personnes qui utilisent des fusils arbalètes. Parce qu'ils se placent là, puis ils tirent de loin, d'après des expériences. Puis je sais pas pourquoi ils restent aussi longtemps dans les airs, mais en tout cas, ça fait perdre du temps aussi. Ça, c'est une bonne façon à laisser les ponts pour faire perdre du temps. Pour pas qu'ils se rendent au fort, c'est vrai. C'est vrai. Que, ben, vous pouvez utiliser ma vidéo quand même. Mais si vous faites pas monter ces ponts, va falloir que vous rajoutez un petit peu du temps. Mais en dégâts. Fait que s'il se rend, puis il reste environ 15 minutes dans le fond. Ça veut dire que vous avez des grandes chances qu'il s'aille aveugle de d'être mort, dans le fond. Ou qu'il s'enfuit. Mais en dégâts, faut que vous utilisez le Dragonator et les. My god, j'ai oublié le nom. En tout cas, j'ai vraiment oublié le nom, j'ai un blanc, ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, bombe anti-dragon s'en va direct sur son dos. Vous pouvez dépecer, vous pouvez vous faire exploser par la bombe, ça n'a aucune importance. Comme par magie, cette bombe-là, c'est anti-dragon, fait que ça massacre pas les chasseurs. C'est pour ça. Baliste, la baliste. C'est la baliste que je cherchais, parce que 10 munitions de baliste est assez fort. Mais... juste pour vous donner un exemple, mettons que le. Je sais pas comment il y a de vie pour vrai, mais mettons qu'il y en a 10 000 de vie. Là-haut, Shenlong a 10 000 de vie. Le Dragonator lui fait 1000 de vie, je pense. Lui fait 1000 de dommages. Je pense que oui, c'est environ ça. Fait que un dixième de sa vie juste au Dragonator, c'est beaucoup. C'est extrêmement beaucoup. Ça va pas tout faire la job, mais ça en fait une partie, hein, maudit. Et les balistes, je sais pas comment que ça fait de dommages, par exemple. Je sais que ça en fait plus qu'un coup de lance, ou que 3 coups de lance. Mais c'est ça.
Le Dragonator vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y a une façon aussi pour le Dragonator, l'épieux tueur de dragons, c'est ça, le Dragonator, pour qu'il fasse qu'il frappe deux fois. Si vous le frappez au bon moment, si vous l'utilisez au bon moment, ben ça va le toucher deux fois. Sauf que moi, je sais pas comment faire ça, je me suis jamais vraiment informé, je sais même pas si ça m'arrive, si je l'ai fait pendant cette vidéo-là, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais que je l'ai utilisé quand que je voulais l'utiliser, et etc, etc, etc. Et on arrive à la zone 5, la zone la plus mouvementée, si on veut. Pas vraiment, mais en tout cas, c'est pareil, sauf qu'il y a un fort qu'il faut que tu défendes. Il fait exactement la même attaque au fort. Oh oui, c'est ça, il faut falloir que je mentionne ou tout. Je pense qu'il y a juste une attaque qui fait qu'il peut dommager le fort, étrangement. Saute, petite queue, saute! que je me fais déconcentrer facilement, ça n'a aucun bon sens. Mais je pense que c'est son attaque qui fait à la zone 3 pour défaire le genre de barrière, porte. Fait, c'est cette même attaque-là, il fonce avec sa tête, avec son cou plutôt, hein, c'est bien bizarre ça. Il se tourne puis il fonce avec son cou en porte. Je fais tous les mouvements avec ça, évidemment. Puis c'est sa seule attaque. S'il est debout puis ça en va donner des coups de griffe ou des coups de tête dessus, ben ça fait pas de dommage. Ben en tout cas, ça m'en faisait pas. Je sais pas si c'est un glitch là. Ça m'étonnerait bien gros que c'est un glitch parce que ça me l'a jamais fait. Ça a jamais fait de dommage dessus le fort. Okay. Juste quand il donne un coup de tête avec son cou. Qu'on va le voir tantôt de toute façon. Ok, zone 6. Vous pouvez apporter des cannonballs si on veut, mais c'est pas vraiment nécessaire. Ça vaut pas vraiment la peine. Et on va faire exploser ce petit prélat. Tiens, petit. Ça l'a même pas tué. Fait qu'on le tue. Oui, il est tombé à sa mort. Il est tombé à sa mort, oui. Salut! C'est la petite voix vous voir que vous entendiez. Que je fasse des conneries de même. Mais regarde, on est rendu à 5. Ça a l'air qu'on est rendu à 5. Parce que c'est ça. Bon, l'épieux tueur de dragon, il a l'air tueur de dragon en mot, te dit, avec ses 4 pics-là géants. Et la porte qui est géante pour une raison que j'ignore. Mais coudonc! On n'est pas là pour critiquer les portes, on est là pour tuer un Lao Shanlong. Qui est un dragon des montagnes, by the way. C'est ça que ça veut dire, je pense. Je pense que son nom, c'est ça que veut dire. Dragon des montagnes. Ou dragon montagne. Ou quelque chose de même, là. Malgré que Yamatsukami, c'est pas un dragon de montagne. Ah, les gars, je sais pas. Je me mélange à toutes mes affaires. Et comme je l'ai dit, frapper sa tête pour qu'il ait beaucoup de moments de douleur. Si vous voulez le faire enfouir, si vous avez frappé son ventre jusque à zone 5, vous devriez être correct. Surtout si vous avez une arme avec un élément de dragon ou un élément de feu, vous allez être correct. Moi, j'ai même pas une arme avec un élément de feu, sauf que j'ai une arme qui est de rang haut, mais que c'est pas la meilleure arme de rang haut non plus. C'est pas une arme de rang G non plus. C'est juste une bonne arme, en général. Je l'ai pris pour juste être safe. J'allais dire quelque chose. J'essaie de m'en rappeler. Non, oublions. Ah, ben... Normalement, qu'est-ce que je fais rendu là, c'est que je massacre son ventre, comme d'habitude, si vous voulez qu'il s'enfuit, massacrer sa tête. Oh, j'ai pas expliqué. Quand il s'enfuit, pour qu'il s'enfuit, il faut que le temps soit rendu à zéro. Fait que si vous manquez de temps, si votre timer en haut à gauche clignote rouge, ben, paniquez pas, vous avez peut-être réussi la quête. Comme là, il me reste 10 minutes. Fait que dans 10 minutes... Si je faisais plus rien pendant tout ce temps-là, parce que là, il est assez à me faire de mourir pour s'enfuir, je pense bien. Fait que, si je laisserais aller le timer jusqu'à zéro, je réussirais la quête, il s'enfuirait. Je pourrais juste pas le dépecer. C'est juste ça l'effet négatif de... Ben, je pense que sur la carte de la guilde non plus, là, dans le profil, ça marquerait pas un là-haut Shanlong de tuer. Mais ça, c'est pas grave, on s'en sac de les statistiques. Mais il n'y a aucune pénalité à le faire s'enfuir. D'après qu'est-ce que je pense. En tout cas, j'ai jamais remarqué. J'ai eu des cornes, j'ai eu tout qu'est-ce qu'il fallait là, en le faisant s'enfuir et en le tuant. Non, les gars. Fait que quand il est rendu à moitié de la zone 5, normalement, moi, je m'en vais monter sur le fort. Je tire des coups de baliste. Et après ça, je fais le Dragonator. Et je me retourne fesser son ventre. Et il meurt. C'est environ ça que je fais normalement. Puis... ça fait toujours la même chose. Fait que
Lao Shenlong, très répétitif à faire et très plate à refaire et à refaire pour faire son armure que j'ai présentement. Surtout quand c'est des rangs plus hauts, parce que t'es plus limité aux armes que tu peux utiliser. Parce que faut que tu utilises des plus fortes, comme là, moi j'aurais pu utiliser plein de sortes d'armes pour tuer lui. Mais coudonc, ça c'est une autre chose. J'aurais pu utiliser une arme plus forte pour pouvoir le tuer direct quand il arrive en zone 5. Mais ça se peut pas parce qu'il perd pas de vie. Parce qu'il reste toujours, aussitôt qu'il arrive dans zone 5, je pense qu'il reste 10 ou 15% comme je l'ai mentionné tantôt. Et il souffre. Et pour briser son dos, vous pouvez utiliser des... Si vous êtes au corps à corps, comme moi je suis, la baliste et les canons. C'est votre seule chance pour briser son dos. J'ai déjà réussi. Mais en tout cas. Fait que quand il se lève de même, puis qu'il s'approche, moi j'attends qu'il s'approche vraiment au max. Hey, c'est avec une... Hey, il fait 27 minutes, ouais! Je pensais que c'était 25 minutes, moi, cette vidéo-là. Je me suis fait arnaquer par moi-même. Non, Marco, quand il s'approche de même, quand il est pour donner son coup de tête, je le pars. Parce que c'est pas comme dans le Gen Moran dans Monster Hunter 3, ça part tout de suite. Quasiment tout de suite. C'est comme si on irait miner, puis c'est quand on obtient le minerai que ça c'est rendu dans le monstre. Si ça fait du sens, si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Moi, je comprends rien pendant tout, mais qu'est-ce que je veux dire? Non! Je vais me rouler à terre en pleurant. Des bonbons. Faut bien que je les revoie. Un coup de patte, ça fait mal. Non! J'ai pas une armure surpuissante, by the way. Cette armure de Lao Shenlong là, je l'ai même pas augmenté la défense. Fait que c'est une défense que... Oh, il est mort! Fait que... il est pas si dur à tuer que ça, quand on connaît son point faible, qui est son ventre. Parce que si tu frappes à d'autres places sa tête, ça peut être plus dur le tuer, faut une arme vraiment plus puissante. Mais oh my god, ça c'est vraiment random ça, ça shake pour rien. Mais allez, il est mort. Il y a du monde qui essaie de me parler sur Skype, même si je suis invisible. c'est qui est en ligne à cette heure-là, je te dis. Mais regarde, on a tué, je pense qu'on peut le dépasser, il y a différentes places qu'on peut le dépasser. On peut le dépasser où ce que je dépasse en ce moment, c'est-à-dire entre son dessous de bras, et sa tête, je pense, et sa tête par hasard est rentrée dans le mur, fait que ça l'aide pas vraiment quand il est rentré dans le mur. Mais, coudon, on va faire avec, c'est triste. Moi j'en ai pas de besoin, mais je peux croire que quelqu'un, ça serait chiant, quelqu'un qui aurait besoin de dépasser un Lao Shenlong puis que sa tête s'est glitché dans le mur de même, ça doit être assez plat. Mais c'est pas grave, vu qu'on a fini la quête et que j'ai fini de parler bientôt et que ma barre verte monte dans le fond parce que je parle plus fort. Mais regarde, on a quête accomplie. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo assez longue de Lao Shenlong, mais je voulais mettre la vidéo au complet pour que... Parce qu'il y a des personnes qui voulaient voir la vidéo au complet, la quête complète. Mais j'ai skippé le début un petit peu. Et là, je parle pendant qu'il y a un écran noir. Bye bye!